Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Pas mal. Allez, pas facile de s'entraîner en natation et de continuer à progresser régulièrement. Car sans un bon plan de départ, on se retrouve rapidement à toujours faire la même chose et un peu à tourner en rond dans son bocal. Et nous allons justement voir ensemble les trois étapes clés pour te permettre de structurer ton entraînement et te permettre donc de progresser techniquement en crawl, mais aussi dans les trois autres nages. Et au programme de ces trois étapes clés, nous allons d'abord aborder les éducatifs et surtout comment les utiliser à bon escient. Ensuite, nous allons aborder la transition vers la nage complète et enfin, comment nager de plus en plus vite. T'es prêt? C'est parti! Alors, si tu as vu notre vidéo précédente ou que tu nous suis déjà depuis un moment, tu as déjà bien conscience que ton levier de progression le plus important est celui de la technique. Et si ce n'est pas encore le cas, tu peux aller voir la vidéo juste ici. Et oui, car faire le plus de longueur possible à chaque séance ou faire tes 3000 mètres en un minimum de temps ne te fera pas aller bien loin et tu finiras rapidement par heurter un mur. Tu vas finir par stagner. Et au mieux, après quelques années d'entraînement, tu finiras par être un nageur médiocre. Mais comment progresser réellement efficacement avec les éducatifs techniques? L'erreur que nous observons le plus souvent, c'est de chercher à aller trop vite ou de simplement se contenter de faire sa longueur avec sa planche devant en rattrapé. Alors que l'éducatif prend tout son sens à partir du moment où tu as investi toute ta concentration en quête de sensations précises. Car en reprenant notre exemple du rattrapé avec planche, tu vas voir qu'il y a la possibilité de rechercher des sensations très différentes et donc de travailler des aspects techniques qui sont complètement différents. Par exemple, tu peux chercher à gagner un maximum d'amplitude en allant chercher loin devant et loin sous la planche. Ou bien te concentrer sur l'orientation de tes appuis en cherchant à orienter ta main et ton avant-bras un maximum vers l'arrière pour te propulser vers l'avant. Tu peux même l'utiliser pour chercher à trouver le bon timing pour ta respiration. Mais c'est pas tout, hein. Tu peux en trouver également beaucoup d'autres utilités. Et tu comprends bien avec cet exemple très simple et très basique hein, d'un éducatif que tout le monde connaît, que tu peux travailler trois aspects différents dans ta technique avec exactement la même chose. Donc c'est très important de te focaliser sur des sensations précises. Faire un éducatif pour faire un éducatif n'a absolument aucun sens. Et on peut t'envoyer faire 3 fois, 4 fois, 6 fois 25 mètres, rattraper planche. Si tu n'as pas un objectif précis derrière ça, tu perds ton temps. Et à ce propos, voici 5 autres éducatifs techniques que tu peux retrouver dans notre extrait de la méthode Crawl 2.0. Alors, travailler techniquement avec les éducatifs, c'est une bonne chose. On l'a vu avec le rattrapé. Pourtant, ton objectif, ce n'est pas d'apprendre à nager le crawl en rattrapé. On en a parlé dans une vidéo précédente. Si tu ne l'as pas vu, le crawl en rattrapé, ce n'est pas la technique de nage la plus efficace. Tu peux cliquer ici si tu ne l'as pas encore vu. Car oui, ton objectif avec les éducatifs, c'est de parvenir à convertir ce que tu as appris dans ton travail technique directement en nage complète pour en retirer les bénéfices. Ainsi, pour toi, le meilleur moyen de gagner en amplitude et de te grandir dans l'eau, c'est de travailler ce point technique à la fois en nage complète et à la fois en rattrapé. Car en procédant de cette façon, ça va te permettre de bénéficier de l'éducatif qui est plus facile et de faciliter la transition vers la nage complète qui est plus délicate pour ressentir ces mêmes sensations. Et attention au risque de me répéter, prends ton temps pour réaliser les éducatifs techniques et ne cherche surtout pas à arriver le plus rapidement possible au mur. Car la pire erreur dans cette situation serait de chercher à repartir le plus vite possible du mur alors que nous sommes vraiment dans des exercices de sensation et tu as besoin d'être frais et d'être lucide pour les réaliser le mieux possible. Bien, après ces deux étapes, il est temps de nager plus vite. Maintenant que tu as pris le temps de travailler ta technique, que tu la maîtrises de mieux en mieux, il est temps de nager plus vite, n'est-ce pas? Et pour cela,
Deux solutions s'offrent à toi. La première, chercher à nager chaque longueur de plus en plus vite. Ou bien, simplement, diminuer ton temps de repos après chaque longueur lorsque tu es au mur. Mais toujours en conservant toute ton attention sur cette nouvelle compétence que tu es en train d'acquérir. Et si tu n'y arrives pas, n'hésite pas à revenir en arrière, soit en reprenant l'éducatif ou bien en nageant plus lentement. Et je vais finir là-dessus pour cette vidéo. Il y a quelque chose qui est fascinant avec la technique. Peu importe ton niveau et tout au long de ta vie de nageur, tu pourrais refaire sans cesse les mêmes éducatifs techniques. Tu seras toujours capable de progresser et même si tu atteins le niveau des Jeux Olympiques. Car ton niveau évolue, tes sensations sont différentes et tu vas être capable d'aller plus loin dans chaque détail technique. Alors première chose, dis-moi en commentaire si travailler la technique de cette façon, ça te parle. Si tu avais déjà pensé le faire de cette façon ou si tu découvres quelque chose et c'est nouveau pour toi. Et dans ce cas-là, si tu as appris quelque chose, n'hésite pas à nous laisser un pouce bleu en appuyant juste en dessous car ça nous permettra de diffuser notre message et de grandir cette fabuleuse communauté des nageurs 2.0. Enfin, si tu désires réellement progresser pour parvenir à glisser sur l'eau comme peut le faire Camille dans les démonstrations plutôt que de passer ton temps à enchaîner des longueurs fastidieuses et d'avoir toujours ce sentiment de stagner ou pire de te battre dans l'eau, alors c'est le moment pour rejoindre le club des nageurs 2.0 car il te reste encore quelques heures pour rejoindre le lancement.